savoir à cette époque, hein, Laurent, si tu es d'accord, 19e siècle, elle était différente de la France, parce que depuis la Restauration et la chute de Napoléon, les rois d'Europe qui avaient été envahis, expulsés par Napoléon de la Révolution, eh bien, sont revenus, et la Savoie avait ses propres princes. Donc le roi de Sardaigne est revenu en Savoie, alors il a une politique qui était un peu la même que celle des rois de France, mais qui en fait était plus efficace. Pourquoi? Parce que les rois de France ont essayé de ramener l'ancien régime, et le roi de Sardaigne aussi. Mais en fait, les rois de France n'ont pas pu totalement ramener l'ancien régime. Ils ont dû laisser par exemple le code civil, le code de Napoléon, puis les départements. C'est plus spectaculaire, mais le plus important c'est le code civil. Or, les rois de Sardaigne, en revenant, ils ont supprimé le code civil en Savoie. Ils ont rétabli totalement l'ancien régime, les anciennes lois, les prêtres dans leur pouvoir supérieur sur l'éducation et dans la vie culturelle. Il n'y avait aucun espace pour les laïcs. Alors qu'en France, pendant tout le 19e siècle, y compris sous les rois, les laïcs et les prêtres se sont battus pour les places dans les conseils d'administration liés à l'éducation. En Savoie, il n'y avait pas de conflit. Tout tournait autour de l'Église, et donc ceux qui voulaient participer au conseil avaient déjà accepté le règne des prêtres dans l'éducation. Ce règne des prêtres, il s'appelait par exemple sur un élève qui s'appelait le Dieu Roi. On apprenait à vénérer, comme on disait, le trône des autels par toute l'éducation. Et elle était large, l'éducation, parce qu'en Savoie, il y avait une instruction publique, pas obligatoire, mais l'instruction primaire était gratuite. Donc, elle était organisée par les prêtres, et le curé disait aux familles, il faut aller à l'école. Et à l'école, on apprenait à vénérer Dieu et leur roi. Donc, la Savoie était comme fermée sur elle-même, dans un monde archaïque, un peu comme le Bhoutan, le Tibet, et tournée autour du catholicisme. Et comme ils avaient fort, ils savaient que, France en Europe, il y avait une littérature romantique, un souffle nouveau, et bien ils se sont dit qu'ils pourraient eux aussi illustrer ces idées catholiques et royalistes dans une littérature d'un nouveau genre, plus inspirée par les traditions médiévales et populaires que la littérature classique. Et Savoie a été aidé en cela par le fait que le catholicisme en Savoie, hérité de François de Sales, était souvent plus populaire et plus médiéval que le catholicisme en France, qui était plus. Le gallicanisme était plus intellectuel, comme on voit avec Bossuet ou même avec Pascal, qui n'est pas gallican, janséniste, mais il y avait plus d'intellectualité à Paris. Vous voyez qu'en Savoie, il y en avait un peu, évidemment, François de Sales, c'était pas non plus un écrivain du Moyen-Âge, mais il voulait rester dans la continuité du Moyen-Âge et il conseillait à ses fidèles d'imaginer des anges. Sur terre avec eux, par exemple, imaginez votre ange, que vous êtes avec votre ange en race campagne, il vous montre l'enfer, le paradis. Donc, il voulait même placer les anges sur terre. On va dire, bien sûr, au ciel, il y a aussi des êtres plus grands que les anges. Mais il faut commencer par cette imagination des anges avec vous sur terre pour après mieux saisir les grandes entités abstraites du christianisme. Donc, dès le début, le catholicisme en Savoie était. Et inciter à créer des imaginations qui se reliaient à la vie de tous les jours et à la vie, et au paysage naturel. Et les Savoyards ont très vite rebondi sur cette tradition pour essayer de créer des épopées avec des anges, des milieux chrétiens, mais plus intimement ancrés dans la vie de tous les jours, dans le paysage, qu'en France, où par exemple chez Chateaubriand, on avait des épopées chrétiennes. Un peu abstrait du point de vue du merveilleux. Chateaubriand disait les anges, ça représente les bonnes tendances de l'être humain, puis les démons, les mauvaises. Les anges sont au ciel, puis les démons en enfer, et sur terre, il n'y en a pas, enfin, sauf à travers le cœur humain. Or, en Savoie, instinctivement, on avait tendance à mettre les anges sur terre. Ce qui a donné à ces figures du merveilleux chrétien une vitalité, à mon avis, supérieure à ce que vous trouvez dans d'autres pays, par exemple la France, et puis ce qui a amené les Savoyards peu à peu à s'intéresser aux fées, aux génies, aux elfes, aux lutins, qui prolongeaient la présence des gens sur Terre, même qui les mettaient encore plus profondément sur Terre, bien qu'ils continuaient bien sûr à dire que sous Terre, il y avait les démons, mais ils se créaient un espace intermédiaire, un peu ambigu, entre ce que Chateaubriand. Entre les deux pôles que Chateaubriand disait, l'enfer et le paradis, pour Chateaubriand, avec les hommes. Pour les Savoyards, il y a aussi là des anges, des fées, etc. Alors, très vite, on a trouvé un texte sur la gloire du
convert à Médicis, qui vit dans le 14e siècle, par un certain Antoine Jacquot, qui était de Moutier, de Tarin, dans les années 1830, eh bien, une sorte de mythologie tournant autour de la relation entre ce convert, le comte à Médicis, et l'archange des combats. Alors c'est intéressant parce que cette épopée qui était en Alexandrin, qui a été créée à l'occasion du prix de l'Académie de Savoie qui demandait comme sujet le convert. C'est intéressant parce qu'à un certain moment, le poète nous dit que le convert, en sa jeunesse, était entouré des sylphes, des fées et des péris qu'on trouvait dans l'Oriental de Victor Hugo, mais que ça n'intéressait pas le convert parce que tout ça, parce que ces esprits étaient liés à la sensualité, à l'insouciance, aux amours faciles et simples, et que lui avait essentiellement son devoir. Donc, le devoir chrétien donc et humaniste. Donc, il se reliait uniquement aux anges du ciel. Et à la fin de l'épopée, on apprend que toute sa vie, il a été guidé par l'archange des combats, qui était comme pour lui comme une lampe, un guide, etc. Mais cet archange, eh bien, je trouve que par rapport à certains anges qui sont présents chez Chateaubriand, par exemple, chez les anges français, il est relativement concret, c'est intéressant. Alors, il dit, cet archange, c'est l'archange des combats, le même qui sur terre, sans cesse enveloppé des voiles du mystère, au héros s'attacha comme un frère, donc, qui sert de guide, de lampe. Puis après, à la fin de sa vie, il arrive aux choses suivantes, sur l'âme du héros, pour l'emporter vers Dieu, il entr'ouvre en passant ses deux ailes de feu, et il l'emmène après au ciel, et au ciel, il voit ses actions glorieuses qui l'attendent, et qui le félicitent, qui l'accueillent comme des entités distinctes. Alors, c'est assez moraliste et catholique, mais il y a tout de même une dose de merveilleux qui préparait un romantisme plus ancré dans le folklore. Il y a un poème qui le fait encore plus, si c'est possible, c'est un poème d'Alfred Puget sur la chute du Mont Granier au XIIIe siècle, de nouveau un sujet qui a été proposé par l'Académie de Savoie, et son poème raconte que la chute du Mont Granier est une punition divine parce que le Mont Granier a recouvert un bourg qui contenait un monastère dont était propriétaire un seigneur qui se faisait passer pour moine, mais qui, dans le monastère, faisait des orgies. Là, ça m'intéressait Laurent, je pense, parce qu'à un moment, il est tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Nitida, ce qui en latin veut dire brillante. Et c'était une jeune fille très très belle, avec des beaux yeux bleus et des beaux cheveux blonds, mais qui était très dévote, qui adorait la Sainte Vierge. Le Seigneur lui fait croire qu'au monastère, il va y avoir des cérémonies autour de la Sainte Vierge et de Dieu. Alors elle y va, en fait, il la viole au milieu de l'orgie. Alors, c'est pas dit en termes pornographiques, mais c'est dit quand même clairement qu'il la viole. Et aussitôt qu'il l'a violée, eh bien, tous les moines qui datent de leur sabbat, c'est-à-dire les moines, et qui étaient dans les tombeaux, ressortent du tombeau, ou alors se détachent des tableaux qu'ils représentent sur les murs. Comme c'est dit là, tout à coup, oh terreur, de leur cadre poudreux, les moines des tableaux sortirent deux à deux, et les autres, pliés dans leurs pâles sueurs, soulevèrent chacun leur dalle funéraire, et tous ces gosses en ombre aux autres du festin s'en vinrent lentement les prendre par la main, et l'orgie entendit, frémissante et farouche, ces malédictions qui tombaient de leur bouche, donc ils emmènent dans l'enfer, puis les démons arrivent, brisent le monastère et font tomber la montagne sur le bourg. Mais plus intéressant encore que ce fantastique où les démons sont représentés avec des ailes, de manière assez concrète, c'est que la Sainte Vierge, parce que le granier est tombé sur le bourg, mais s'est arrêté autour du sanctuaire de Notre-Dame de Mouillon, qui est une vierge noire. Et la Sainte Vierge, à ce moment-là, arrive du ciel avec un cortège d'anges, et je trouvais que la manière dont ils se comportaient ressemblait beaucoup au cortège de nymphes et de faunes qui entouraient Bacchus dans la poésie antique, par exemple d'Horace. On peut le voir dans ces vers parce que, vous allez voir, je vais vous lire, les anges distribuent des fleurs qui rénovent le sol. Et la Vierge, au milieu des célestes phalanges, apparut radieuse, et chantant ses louanges, les anges sur ses pas se mettent à pleine main des immortelles fleurs, des immortels jardins. Alors la terre s'en trouve rénovée parce que la Vierge arrive, et avec ses pouvoirs magiques, si on peut dire, elle déplace les pierres qui sont tombées sur Nitida, et elle est morte, et elle la ressuscite. Et alors, par exemple, le Mireille de Mistral, quand Mireille est morte, les saintes Marie de la Mère viennent chercher son âme pour l'emmener au ciel en disant que la terre n'est qu'une ruine et
pauvreté et de combat et d'art. Ici, Étida est laissée sur terre par sa résurrection. Alors, c'est vrai qu'elle va dans un monastère, elle ne mène pas la grande vie pour autant, on reste dans le cadre chrétien, mais il y a un lien très fort, à mon avis, entre ces anges et puis Étida elle-même, qui est comme un ange, et la terre. Et elle a l'impression que chez Savoyard, alors c'est pas trouvé ailleurs, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une tendance à mettre des anges très profondément dans la terre. Il y a encore un exemple de cela, c'est un poème d'un certain François Arnolet, aussi Tarin, qui vivait à la fin du siècle, qui a écrit un poème sur l'ange Izara, qui est l'origine de l'Isère, parce qu'il raconte que quand l'archange Michael a vaincu le diable, il a demandé à Dieu « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Alors Dieu lui a dit, je vais vous lire, c'est un style bien particulier, « Or Michael, vainqueur, osant fixer en face l'œil profond, d'où les plans éternels sont issus, les avenirs réglés et les destins conçus, lui demanda très haut, que faut-il que j'en fasse? Le maudit bouge encore, n'a pas crié grâce. Jéhovah répondit, mais lui il rentre dessus. Alors il met des montagnes par-dessus, mais le diable les fond dans sa chaleur au fur et à mesure. Il en met d'autres, et ça crée les Alpes. Et après il se rend compte qu'il y a une source salée qui descend. Comment d'où ça vient? Alors il demande à Dieu, mais d'où ça vient? Je dis, je sais pas, montons parfois. Fait semblant de pas savoir. Alors il monte le long de la rivière, puis il trouve là l'ange Izara, qui était amoureuse du diable alors qu'il avait suivi, mais qui n'avait pas commis d'autre méfait que d'être amoureuse du diable. Alors ses larmes étaient amères, d'où le caractère salé de la source de l'Isère. Alors Dieu dit, écoute, c'est pas si grave, regarde, et il boit un peu de l'eau, et l'eau cesse d'être amère, et donc l'ange Izara est racheté en partie, en tout cas, il doit rester sur terre, c'est une femme, je ne sais pas, elle doit rester sur terre et nourrir la vallée en eau comme punition, mais elle n'est pas condamnée comme le diable. Alors il y a un temps un peu burlesque, un peu populaire, comme le temps des visions grandioses, où on voit que les poètes essayent de créer des figures d'anges qui sont entre les anges du ciel et les démons de l'enfer et qui sont sur terre. Et très vite, ça va donner au feu. Et on a un auteur du 19e siècle que j'adore, je trouve là, que j'ai réédité plusieurs volumes, à travers plusieurs volumes de romans qu'il a écrits, ou de promenades, où il fait intervenir beaucoup les faits. Il a commencé sa carrière par un petit poème sur une lutte qui opposait les seigneurs de Menton à Annecy et les seigneurs de Val d'Isère. Les seconds étaient sur le château de Douin, le château Neuf, sur un presqu'île. Et puis les autres étaient essentiellement dans le château de Montrotier, qui est au comte de Menton, et aussi le château de Menton aussi. Et Jacques Repas raconte qu'il y a une fée qui avait aidé le comte de Val d'Isère à faire le château Neuf sur la presqu'île, qui était l'esquiveau, mais qu'elle demandait un salaire, un paiement. Or, le seigneur a refusé de payer, donc elle est entrée au service des comtes de Menton et elle l'a invité, elle l'a amené par ses paroles, à se dresser et à devenir l'aîné juré du comte de Val d'Isère. Et depuis, il y avait une lutte féroce entre les deux. Et la fée s'est unie comme une amoureuse à l'ancêtre des Mentons, Edmond. Et après, elle est partie dans une grotte, mais aussi elle habitait les murs du château comme une gardienne. Et finalement, il y a le fils du comte de Val d'Isère qui essaie de séduire la fille du seigneur de Menton, qui entre dans le château de Menton, qui la séduit, et puis il en sort, et il y a un page qui se jette sur lui, qui attrape la queue de son cheval, au moment où il passe les gorges du fier. Et le chevalier coupe la queue de son cheval, le page tombe, et Jacques Repas dit « C'était la fée déguisée en page !» Et donc elle gémit au fond des gorges du fier, c'est pour ça que depuis on entend la voix d'un gémissement fond du fier. Or, il s'inspire de plusieurs légendes qui mettaient bien des fées au fond du fier et qui disaient bien que le château de Douin avait été créé par des fées. Alors, je ne peux pas vous lire tout, parce que si vous aviez été 40 aujourd'hui, je vous aurais lu les magnifiques passages de Jacques Repas. Et là, j'hésite, parce que je vous dis, on est que 3 pour abréger quand même. Alors, je vais vous lire quelques vers pour qu'on voit son style, parce que c'était un poème. Une fée aux yeux bleus rencontra vers le soir Edmond, qui, jeune alors, rêvait par les campagnes. De la fée, il reçut la livre des montagnes. Donc elle lui apprend la poésie.
Un baiser d'instruisie dans l'air de dans l'art de Cassavoir. Aujourd'hui, le Brésil couvre sa chevelure. Sa voix des chants d'amour n'a plus rien retenu. Seulement, quelquefois, puis des légendes obscures, il murmure à l'écart quelques mots inconnus. Et puis après, il écrit la fête dans sa grotte et puis il vient jouer des tours malins comme des lutins aux gens qui font pas ce qu'il faut. Par exemple, aux chevaliers qui ne sont pas fidèles à leur dame, eh bien, ils font rouiller, l'épée, etc. Elle fait des petits tours pour punir les gens qui agissent mal. Donc cette fête a un côté humain dans le sens qu'elle est animée par la vengeance, un côté légèrement démoniaque, mais en même temps elle est bien celle qui châtie les gens au jour le jour de la part de la morale cosmique, on pourrait dire. Donc cet effet est ambigu et il reprend dans ses romans, à son voyage, des légendes. Alors il y a une fée, il parle des fées qui sont sur les rochers de la Mandalas, en disant que elle seule, ses esprits délicats et lumineux pourraient aller dans un château aussi élevé, aussi haut, perché sur les rochers. C'est un très joli passage dans ce roman. Et il parle aussi d'un nain mystérieux qui aurait accompagné tout au long de sa vie le seigneur, le comte de Savoie, Amédée VII. Il dit qu'il a été trouvé un jour par les moines d'autres comtes, qu'il avait été peut-être abandonné, on ne sait pas trop qui il était, cela, il avait été élevé par les moines. Et puis il avait une perspicacité surhumaine. Alors certains se disaient qu'il était juste le rocheton d'une famille qui ne voulait pas de lui parce qu'il était humain. Mais d'autres ont dit que c'était un être merveilleux du monde des fées qu'elle était mis là pour entrer dans le monde des hommes. Alors il a développé des pouvoirs fabuleux, comme de devenir un géant quand il y avait de la tempête sur l'élément, la vue immense, et en fait organisant la tempête lui-même. Tout au long du roman, il passe délivrant des petits secrets par-ci, par-là. Et finalement, il disparaît au moment même de la mort du comte Amédée VII, comme s'il avait été son conseiller intime, sa conscience peut-être. Donc là aussi, il y a une sorte de nain qui est tombé, puis certains disent c'est le diable, c'est un être diabolique. Puis d'autres disent non, c'est sa conscience du comte. Donc il y a une ambiguïté chez ces êtres merveilleux qu'on trouve en général dans le merveilleux traditionnel, parce qu'ils ont un côté. Ambigu, oui. Ils ont un côté un peu méchant, mais l'autre, ils assument aussi le rôle de bons anges sur Terre, mais de manière plus concrète que l'ange pris de la Bible, de manière plus insérée dans le folklore local. Alors, Jacques Rocard joue aussi, souvent entre la confusion, il joue sur la confusion entre des mortels et des fées qui auraient pu prendre l'apparence des mortels. Il demande est-ce que c'est une fée, un mortel, et ça arrive très souvent dans ce livre, et à chaque fois, évidemment, c'est quand le mortel en question a un rôle presque sacerdotal, mais hors du commun, par exemple une femme qui joue le rôle d'un oracle, et dont la main, tout à coup, sort d'une brume dans laquelle elle avait parlé sans qu'on la voie. Alors, en la voyant, on se dit, est-ce que c'est la fée du lac, ou est-ce que c'est une mortelle, etc. Il joue sur cette confusion, et comme si les mortels qui avaient des dons de voyance, des dons de morale supérieure, étaient habités tout à coup par un être supérieur, une fée, une sorte d'avatar d'Apollo qui inspirait la Pythoniste, mais qui prend la forme d'une fée. Il fait ça pendant tout ce roman, dans tout ce livre. Dans Voyage au cours sur le lac d'Annecy, il raconte un voyage qu'il fait sur le lac et il parle des châteaux qui est autour du lac, et en comptant leur histoire, mais il en vient à dire que l'imagination est plus belle que la réalité, et cette imagination, elle lui est donnée par la reine Mab. La reine Mab, c'est la fée issue des légendes celtiques qu'on trouve dans Roméo et Juliette de Shakespeare, dans une chanson qui est écrite par Juliette, et qui dit que la fée Mab, c'est celle qui inspire des rêves aux hommes, ou leurs imaginations. Et Jacques Rocard reprend ça en disant la fée Mab me fréquente, je la fréquente, je la vois. Alors elle prend l'apparence par exemple d'une paysanne pour le guider, pour l'aider, ou alors elle apparaît comme une vision en même temps que des moines morts depuis 500 ans qui réapparaissent dans un monastère abandonné par exemple. Et elle verse sa voix, puis elle apparaît avec ses joues roses à travers la fenêtre, et elle danse au milieu de la pièce, et elle préside donc aux apparitions et aux visions de Jacques Rocard qui se multiplient au fur et à mesure du livre, jusqu'à ce qu'à la fin, alors que la neige commençait à tomber, la nuit tombait aussi,
la FEMA l'entraîne sur un traîneau, sur la neige, vers Annecy, pour rentrer à Annecy par les bords, par le rivage, par la terre. Et donc la FEMA envahit un peu son livre. Et on a de cette sorte des Savoyards qui ont multiplié les allusions aux fées et aux lutins. Et bien connu est la figure du servant et le lutin domestique en Savoie, auquel on fait des sacrifices à l'antique, des offrandes de type végétal ou en tout cas par carême, c'était soit du lait, soit des grains de millet, soit du blé, etc., pour que le servant fasse du bien dans la maison. Et Amélie-Jean, à la fin du 19e siècle, en patois, a fait une ligne du servant où elle dit tout ce que fait le servant. Et par exemple, elle nous le servant, il noue le que des vaches dans des familles où il n'a pas été suffisamment honoré. Et puis c'est l'œil rouge qu'on voit la nuit et qui guette tout le monde, qui regarde tout le monde, notamment les amants qui se comporteraient pas suffisamment bien, d'un rôle moral. Et en même temps, c'est un lutin facétieux qui aime bien asticoter les êtres humains. Donc il a un côté aussi un peu ambigu, de nouveau un peu diabolique. La Vigex parle aussi de. Elle reprend des légendes où il y a des femmes merveilleuses qui sont confondues avec des figures bibliques et auxquelles elle donne une nouvelle aura en les peignant de façon plus naturaliste et puis en disant qu'elle chevauche la vouivre. La vouivre est aussi un animal très connu en Savoie et dont Jacques Cropla a parlé dans un livre. Donc les Savoyards ont essayé de créer un espace intermédiaire entre les deux grands pôles. Aussi en des anges et des démons, un espace intermédiaire terrestre où il y avait de manière plus ambiguë un monde qui était à la fois moral et qui en même temps était un peu pervers parce que les êtres élémentaires, les fées, passaient aussi pour être égoïstes et pour agir en leur propre compte, en leur propre nom, pour leur propre compte, alors que les anges du ciel passaient pour n'agir que pour accomplir la volonté divine. Et donc, il y a cet espace plus humain, finalement, plus proche de nous, et plus intéressant, souvent, dans la poésie. Et parlons pour nous de ces fées, de ces anges terrestres qui sont mêlés à nos passions, à nos vices. Et le plus remarquable, c'est un auteur charlésien qui a écrit vers la fin de sa vie, deuxième partie de sa vie, sous la dictée, disait-il, de sa femme morte, qu'il rencontrait en rêve, en vision, une grande épopée où il explique l'origine et la fin des dieux de l'Olympe et en les mélangeant à l'histoire, non pas toute la Savoie, parce que avec l'évolution politique, la Savoie dynastique tendait à perdre son éclat, son aura et son prestige. D'abord parce que le dernier roi vraiment admiré, Charles Albert, a abdiqué en 1849, et après, avec le rattachement de la Savoie à la France, la Savoie prise comme entité était très liée au duc de Savoie, et quand ces ducs de Savoie ont soit perdu leur prestige, soit perdu leur autorité institutionnelle sur la Savoie, et les Savoyards sont retranchés souvent sur leur vallée, le folklore plus populaire de la vallée, l'entité de la vallée qui était moins abstraite que la Savoie et qui était plus visible évidemment physiquement. Et Maurice Danton raconte une épopée incroyable qui parle. Des dieux de l'Olympe comme étant des anges terrestres qui s'occupaient des plantes à l'époque du jardin d'Éden, à l'époque du paradis terrestre, qui s'occupaient de les faire pousser, tout ça, et qui sont tombés amoureux après la chute de l'être humain, après le départ du paradis terrestre. Ils ont continué à s'occuper des plantes, mais n'entendent, s'apercevant pas en fait du changement qui avait été effectué, et sont tombés amoureux des filles d'Ève et d'Adam. Alors, ils se sont mariés avec elles et ils les ont rendues immortelles, bien qu'elles n'étaient pas à cause de la chute du péché originel. Et puis, ils ont été après assimilés des dieux, parce qu'ils commandaient à toutes les forces terrestres. Et ce sont devenus les dieux de l'Olympe. Après, on raconte l'histoire des dieux de l'Olympe, depuis les anciens, Uranus, Saturne, en changeant pas mal de choses de logique, jusqu'à Jupiter. Et Jupiter a un problème, c'est qu'il semble son pouvoir disparaître. Et en disant pourquoi, et on regarde sur Terre, et il voit un couple, un vieux avec une jeune femme, qui porte un enfant dans les bras, qui est mort en Égypte, et sur un passage, les temples s'effondrent, et Jupiter perd son pouvoir. Alors,
il cherche à trouver une solution et il cherche à retrouver son père Saturne qu'il a banni sur Terre. Et qui sur Terre, c'est grâce à la forêt noire, après l'apparence d'un grand prêtre, a fondé une religion et aussi la nation des Germains. Or, toutes les tribus germaniques, selon Danton, ont les noms des paroisses du Chablais. Comme, parce qu'il dit que toutes les communes du Chablais viennent des tribus germaniques. Et que ces Germains eux-mêmes viennent de Saturne. Donc, il crée un lien comme ça entre Chablais et sa mythologie. Et la mythologie classique, mais aussi la mythologie biblique, si on peut dire. Et on peut dire. Alors, il suscite une guerre contre Saturne pour déloger la forêt noire par la tabernacle de Mercure qui donne l'idée aux Romains d'attaquer les Germains. Alors, il s'en suit beaucoup de choses. Et puis finalement, Saturne accepte de revenir dans l'Olympe et dit il faut trouver la solution, la clé. Elle est au centre de l'univers, là où il y a une grande lumière, allons-y. Et ils y retournent. Et là, en fait, les anges restés célestes les accueillent et ils redeviennent des anges à part entière et quittent leur rôle de Dieu, qui est un des rôles un peu ambigu, les anges qui avaient commis la faute de se mêler à des filles des hommes. Alors, ça n'empêchait pas Maurice Danton de dire qu'il y avait des anges déchus qui étaient des anges célestes qui avaient été précipités donc des temps en enfer et qui faisaient toutes sortes de méfaits. Et l'épopée se termine. Si on peut dire, en fait, après, il part dans différentes visions, dans différents récits. Elle se termine par l'évocation de la crucifixion et la résurrection du Christ, qui inaugure une nouvelle sorte de règne et d'équilibre entre le ciel et l'enfer et l'éternel. Donc, c'est intéressant cet exemple parce qu'on voit que Maurice Danton, finalement un peu quand même comme Tolkien et d'autres, a essayé de créer un espace intermédiaire, un espace où il y aurait des sortes d'anges terrestres, en tout cas plus terrestres que les célestes, et où l'homme pourrait être plus intimement mêlé aux anges qui apparaissaient comme trop abstraits. Les anges de la Bible, ils étaient bien jolis, mais un critique, Pierre Azoulay, a dit la plupart des épopées chrétiennes qui ont repris cette mythologie biblique ne fonctionnaient pas, parce que les anges de la Bible sont trop abstraits. On sent que dans le temps, même s'il admet la présence de ces anges bibliques, essaye en réalité de créer un monde intermédiaire plus proche de l'homme, où l'homme se sent plus impliqué dans son corps même, dans la nature des choses et dans l'histoire. Parce que les anges de la Bible, dans la dogme catholique, n'intervenaient que dans la morale et pas dans les choses plus concrètes de la nature, des plaisirs, de l'histoire. Et je pense, par conséquent, que cette littérature est très intéressante parce qu'elle a essayé continuellement de donner vie aux figures, soit de la mythologie classique, comme on voit, soit de la mythologie biblique, soit aussi du folklore, en reliant toujours ces figures, en essayant en tout cas de relier ces figures à l'être humain, à sa vie concrète, et pas seulement à sa vie éthique, théorique, donc, on va dire, aux valeurs, aux grandes valeurs. La grande valeur, c'est joli, mais parfois on ne voit pas le lien entre ces grandes valeurs et notre vie au jour le jour, notre vie concrète, notre vie naturelle, nos désirs, nos craintes, etc. Et à travers ces mythologies, ça veut dire essayer de créer un lien précis. Alors est-ce qu'ils y sont arrivés, selon moi, jusqu'à un certain point, oui, ils ont été oubliés un peu injustement. Alors ils avaient des références propres, je l'ai dit, à travers la dynastie de Savoie, à travers le duché de Savoie, puis à travers leur vallée, des références propres qui n'ont pas été bien comprises, à mon avis, par l'université française, qui a des plans uniformes sur tout le territoire, et les concours de l'agrégation, le même programme partout, donc ils n'ont jamais pu rester, si même ils avaient des qualités. Alors certains, pour le justifier, disent qu'ils n'en ont pas eu, bien sûr, c'est facile, mais au fond, même s'ils avaient eu des qualités, est-ce qu'ils auraient été dans ces programmes de littérature nationaux qu'on trouve dans les universités? Moi, je pense que non. Et je pense que les auteurs ont plus de qualité qu'on veut bien le dire. Et on le dit, je me rappelle, pour justifier qu'il n'y soit pas. Merci de votre attention. J'allais dire, parce que au début, il n'était que deux. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je vais pas être trop rapide. En plus, j'ai vu que Laurent, qui était là dès le début, a commencé à s'endormir. Alors, pour approfondir le sujet, vous pouvez acheter ce roman, ce texte de Jacques Toplat que j'ai fait rééditer et dont j'ai écrit la postface. Voyage au long cours sur le lac d'Annecy, c'est celui
où, peu à peu, à force de fréquenter la reine Mab, il entre dans un monde d'imagination, de vision, j'ai bien compris, mais c'est bien le cas. Il y a aussi le roman de Jacques Roba qui se passe au Moyen-Âge, c'est sur la mort d'Adélée VII et le duel judiciaire qui s'en est suivi, parce qu'on a accusé autant de grands sons de l'avoir fait empoisonner. Il est mort sans doute du tétanos après un accident de chasse, et c'était ouvert en tombant sur une souche. Mais il y a une mythologie autour du sanglier, d'un sanglier fatal, si on veut dire, le sanglier qui chassait. C'est pour ça que ça s'appelle le sanglier de la forêt de l'homme. Et puis, une atmosphère fantastique avec les fées, les mains dont je vous ai parlé. On a réédité aussi, avec mon père, qui a fait un peu d'édition, le premier roman de Jacques Roplat, Le siège de Briançon. Il s'agit de Briançon, Notre-Dame de Briançon, qui est pas loin d'ici. Il y a une forteresse au Moyen-Âge qui commandait l'entrée de la vallée. Et qui était commandé par un seigneur de Briançon, dont le comte de Savoie a été un ennemi, parce que l'archevêque de Moutier a demandé au comte de Savoie d'intervenir contre le seigneur de Briançon, qui rançonnait les gens qui passaient dans la vallée. Et c'est ce que raconte ce roman, avec aussi un peu d'amour, de merveilleux, mais avec ce fond également de historique, qui voit le comte de Maurienne, en fait, au départ, prendre la Tarentaise et devenir un seigneur plus important à la faveur de cette lutte contre le seigneur de Briançon, qui était un peu païen, un peu gothique aussi, qui un peu sarrasin, un peu bourgeon, un peu barbare. Alors si vous avez aimé le sujet globalement, j'ai fait un livre sur le sujet de la mythologie de la Savoie ancienne, depuis François de Sales jusqu'à notre époque, mais avec une grosse partie sur les auteurs romantiques qui appartiennent des symboles dynastiques, des symboles religieux, ont essayé de créer une mythologie telle que je l'ai décrite, qui ont créé une profondeur au paysage, qui essaie de lui donner aussi une profondeur morale et aussi une profondeur esthétique, de le rendre plus beau parce que mêlé à l'imagination. Si vous avez été mon style, j'ai fait de la poésie aussi, et puis un récit voyage en Bretagne, songe de Bretagne, où je me pose le même genre de questions aux auteurs savoyards. Je me demande si l'atmosphère qui se dégage de la mythologie bretonne correspond à quelque chose dans l'atmosphère qui se dégage du paysage breton, ou si c'est artificiel. Alors vraiment, on a tendance à dire que réellement le paysage dégage lui-même les imaginations qu'on peut avoir, ou du moins nous parle et nous fait. Quoi. Le paysage nous fait avoir ces imaginations, donc il y avait une correspondance d'atmosphère, et ces imaginations sont même le moyen de cristalliser l'atmosphère qui se dégage du paysage. De la rendre accessible. Et puis mon dernier livre, 777, 777, c'est plus facile que 777, aphorisme ésotérique, où il y a au début beaucoup d'ironie. Donc c'est ésotérique. Souvent, quand on utilise le mot ésotérique, on va être très sérieux. Ou alors, on se moque, on dit ah oui, c'est ésotérique. Du coup, ça représente l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, mais il y a aussi de la mythologie. Des passages, des aphorismes, c'est-à-dire des passages courts, des formules courtes ou des paragraphes, peut-être que ça sera un peu plus long, où j'ai essayé de redonner vie à une mythologie antique ou publique, ou fabuleuse, ou en science-fiction, en l'insérant dans les profondeurs de l'être humain. Donc, un tas d'œuvres qui peuvent être achetées. J'ai mis un chapeau sur une chaise, il a été enlevé. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas acheter un livre, mais aider le conférencier, à faire d'autres conférences, et plus précisément à manger, à se vêtir, à se loger d'ici à la prochaine conférence, à mettre quelque chose dans le chapeau, alors, je ne sais pas, un paquet de gâteaux, une pièce de 1 euro, 2 euros, un billet de 50 euros, de 5 euros, tout ce qu'on veut. Donc, parce que je suis bénévole, j'ai fait préparer. Et puis je fais une thèse de doctrine ce soir. Un trousseau de clé avec. La carte grise, bien sûr. Je vous remercie tout de même d'avoir assisté à cette conférence. Merci Jacques de cette organisation. Merci à toi. Oui. Bonjour. Oui. 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 Oui.